maintenant, nous avons besoin d'un seul gagnant. Et donc, on va poser une question pour régler cela rapidement. Non, c'est les représentants, parce que vous êtes censé travailler en équipe. Ok. Mais parce que vous avez travaillé ça en équipe, donc vous pouvez justifier vos choix. Amen. Ok, bon, ma question c'est celle-ci. Je vais poser une question à la sœur Kavita, une question à la sœur Palinda. Sœur Palinda, ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a fait décider de mettre la présentation au temple avant la visite des mages? On a décidé de prendre la place. Vous pouvez vous asseoir. Rapidement, je crois qu'il faut un chronomètre, sinon le temps. On a décidé de prendre la présentation au temple avant la visite des mages. De un, parce que Jésus a été présenté avant que les mages ne viennent. Et de deux, parce que... Comment tu sais qu'il était présenté avant que les mages? Parce qu'environ, il avait environ approximativement 2 ans quand les mages sont arrivés. Parce que le temps que les mages prennent le chemin et arrivent jusque là où Jésus était, il avait déjà approximativement 2 ans. Fait que certainement, il avait déjà été... Et la présentation se fait à quand d'habitude? Ok, bon. Ok, maintenant la sœur Tabitha, on va lui poser une question. Ok, sœur Tabitha, je vois dans votre fiche ici, là, il y a une flèche. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a influencé pour que vous mettez la... Ça, c'est le nôtre. Ok, là, ça, c'est la vôtre, ok. Je crois qu'ici, dans la vôtre aussi, vous avez... Ok, sœur Tabitha, voilà la question que je vais te poser. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre, de ramener la fuite en Égypte, de ramener la fuite en Égypte avant que Jésus... Non. Bon, je vais te poser une autre question, parce que là au moins on est tous d'accord dessus. Ok, sœur Tabitha. Pourquoi vous avez mis en fait la fuite en Égypte avant... Non, c'est pas la même question. Pourquoi vous avez mis en effet la fuite en Égypte avant que Jésus soit présenté au temple à l'âge de 12 ans? J'aurais dû trouver votre fiche, mais je vais essayer de trouver une question générale. Bon, je n'ai pas votre fiche avec moi. Bon. Voici une question. Quand Jean-Baptiste rencontre Jésus et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », est-ce que c'est la première fois qu'il rencontre Jésus ou bien il avait déjà rencontré avant? On va essayer rapidement. Il avait déjà rencontré avant. Bon, elle a juste deviné. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va juste donner le prix aux deux équipes. Ils vont juste... En fait, oui, il avait déjà rencontré avant. Quand tu le vois, en fait, il dit que quand il a baptisé, il dit qu'il a vu un signe. Donc, quand il dit « Voici l'agneau de Dieu », c'est parce qu'il avait déjà vu le signe. Amen. Il y a plusieurs prix pour manger à AEW. Alléluia, si on peut tous se lever dans la présence. Ok,
sans plus tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va encore les parler maintenant? Amen. C'est vrai. Oui, important, j'ai oublié de le dire. En fait, la famille Sénéron nous a contactés parce qu'ils ont besoin d'une prière urgente pour leur fils Isaiah. Et là, présentement, ils sont en Europe et nous voulons les accompagner dans la prière. Amen. Ils traversent une situation présentement. Nous voulons que le Seigneur agisse puissamment. Amen. Alors, si on peut tous élever nos voix vers le Seigneur, si on peut prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ton serviteur Isaiah, à l'endroit où il se trouve, tu sais où il est, Père. Et Seigneur, ta parole déclare que ta main n'est pas trop courte pour sauver, Père. Et nous savons qu'elle n'est pas trop courte pour guérir. Touche Isaiah, à l'endroit où il se trouve, Papa. Seigneur, guéris Isaiah au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, Papa, que tu le touches, Seigneur, que tu agisses dans ce qu'il souffre présentement, afin qu'il obtienne une guérison totale, une guérison complète. Père, apporte du repos. Apporte, Seigneur, à ses parents, Papa. Apporte la paix, Seigneur, à Mehdi et à Solange, Père. Afin, Seigneur, qu'ils puissent passer un temps de vacances alors qu'ils sont avec les membres de la famille. Père, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Touche ton serviteur, car nous savons, Seigneur, que tu vas l'utiliser pour de grandes choses. Oh Seigneur, nous nous tournons vers toi, Papa, parce que nous savons que tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de restauration. Et par tes meurtres issus, Seigneur, nous sommes guéris. Guéris ton serviteur Isaiah, Papa. Et nous n'allons pas manquer de te donner l'honneur, nous n'allons pas manquer de te donner la gloire. Alléluia. Si quelqu'un peut battre ses mains pour le Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Sans plus attendre, nous allons accueillir le prédicateur avec nous. Amen.